Imola Deo Sacrificium Laudis. Imola Deo Sacrificium Laudis. Je suis incapable de vous mentir. Je suis heureuse.
Peut-être ai-je tort de dire ça à monsieur le marquis, mais tout à coup, quand j'ai vu mademoiselle Blanche en robe de mariée, j'ai cru revoir feu madame sa mère et vous à son bras. Oui, mon bon Thierry, merci. Moi aussi, j'ai pensé à cela. Mon père, oui? Pensez-vous qu'il soit sage de rentrer par Chantilly et Saint-Denis? Oui, c'est vrai, nous allons tomber dans la cohue et nous n'avancerons jamais. Et par ces temps-ci, il vaut mieux rentrer avant la nuit. Alors Thierry, évitons Saint-Denis. Dans le monde, votre nom était Marie-Geneviève Meunier. En religion, votre nom sera Constance de Saint-Denis, martyre. Dans le monde, votre nom était Blanche de la Force. En religion, votre nom sera Blanche de l'agonie du Christ. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Ma fille, la règle est de fermer sa porte. Je ne serai jamais une bonne carmélite. Une tête de mort est effrayante pour n'importe qui. On aurait dû vous avertir de la présence de cet objet dans la cellule d'une carmélite. C'est Dieu qui vous amène ici, ma mère, pour entendre ce que je n'ai pas encore eu le cœur de vous dire. J'ai en moi une horrible faiblesse qui fait le malheur de ma vie. Petite, je ne pouvais gravir un escalier sans penser qu'il allait s'écrouler.
La vie m'ont toujours effrayée. Pauvre petite. Vous avez rêvé de cette maison comme un enfant rêve dans sa chambre obscure, à la salle commune, à sa lumière, à sa chaleur. Vous ne savez encore rien de la solitude où une carmélite est exposée à vivre et à mourir. Ma mère, tout à l'heure j'ai cru que j'étais sincère. Je n'ai sûrement pas voulu mentir à mon père. Que lui avez-vous dit? Que j'étais heureuse. Le bonheur essayant de n'y plus penser. Notre époux n'est pas le Christ souriant que représentent les images pieuses. C'est le roi des épouvantements dont parlent nos saints livres. Mon enfant, il n'est pas dans l'esprit du Carmel de s'attendrir. Mais je suis malade, condamnée, comme l'a dit notre médecin, Monsieur Javelineau. Je puis donc m'attendrir sur vous. De grandes épreuves vous attendent, ma fille. Qu'importe si Dieu me donne ma force. Ce que Dieu veut éprouver en vous, ce n'est pas votre force, mais votre faiblesse. Les nuits sont courtes au Carmel. Et comme un bon soldat, une carmélite doit savoir dormir. Étant un jour à cheval dans la plaine au-dessous d'Assise, il rencontra un ladre qui lui fit tant d'horreur qu'il tourna aussitôt les yeux pour ne pas le voir et prit son chemin d'un autre côté. Mais se souvenant alors de la résolution qu'il avait faite de combattre toutes choses, les inclinations déréglées de son amour propre, il s'arrêta tout court, mit pied à terre et alla embrasser et baiser ce misérable. J'ai grand peur que nous ne puissions plus rien. Vous avez trop exigé de vous, ma mère. Et je ne suis pas le bon Dieu. Mais, docteur, écoutez, hier, pourtant, j'ai pris mon potage non seulement sans répugnance, mais presque avec plaisir. N'est-ce pas, Mère Marie de l'Incarnation? Votre révérence dit vrai. Par les franges, je me sens même beaucoup mieux qu'à ma dernière crise. Faut que cet orage crève. Vous me verrez déjà bien soulagée. Je voulais dire seulement qu'il serait bon d'interrompre les médecines et de laisser faire la nature sans remuer davantage les humeurs. Quietam non movere. Dieu veuille vous garder à nous, ma mère. Je m'en remets à lui pour guérir ou pour mourir, selon sa volonté. Je regrette d'avoir pensé tout haut devant la révérende prieure. Ne regrettez rien. Si vous aviez une plus grande expérience de maison comme celle-ci, vous sauriez qu'il n'y a que deux sortes de religieuses pour mourir tout à fait paisiblement. Les très saintes et les médiocres. C'est une grande peine pour moi de me montrer ainsi, étendue comme une noyée qu'on vient de tirer de l'eau. N'étaient ces malheureuses jambes insensibles et inertes, je me croirais à peine en danger. Mère Marie, combien de jours Monsieur Javelineau me donne-t-il encore à vivre? Que votre révérence me pardonne, il craint que ce ne soit même plus une question de jours. Dieu, suis-je déjà au terme? Faites chercher Blanche tout de suite. Vers Saint-Augustin, allez. J'avais cru comprendre, ma mère, que vos angoisses étaient un peu apaisées cette nuit. Ce n'était qu'un assoupissement de l'âme. Je ne me voyais plus mourir. Maintenant, rien ne me distrait plus de cette vue.
Je suis seule, ma mère. Absolument seule. Sans aucune consolation. Je suis seule. Et j'ai peur. Relevez-vous, ma fille. Et ne me regardez pas ainsi. Il n'y a rien là devant vous que de très ordinaire. Ne m'abandonnez pas, ma mère. Mon enfant. Pourquoi avez-vous choisi de vous faire appeler Blanche de l'agonie du Christ? Je ne sais pas, ma mère. J'étais comme forcée. Parmi tous les instants de la vie de notre Seigneur, j'aurais voulu être près de lui précisément quand il était tout seul et abandonné à Gethsémani. De toutes mes filles, vous êtes la dernière venue, la plus chère à mon cœur, et aussi la plus hasardée, la plus menacée. Pour détourner cette menace, j'aurais bien donné ma pauvre vie. Je ne puis donner maintenant que ma mort. Mère Marie de l'Incarnation. Oui, ma révérende mère. C'est moi qui ai introduit dans cette maison Sœur Blanche de l'agonie du Christ. Cette affaire me regarde. Ma volonté est d'y mettre ordre avant de laisser ma charge à une autre. Mère Marie, c'est au nom de la sainte obéissance que je vous remets, Sœur Blanche de l'agonie du Christ, ici présente. Vous me répondrez d'elle devant Dieu. Oui, ma mère. Oh, encore ce maudit fève! On dit que les accapareurs retiennent la farine et que Paris va manquer de pain. Voilà notre bon gros fer à repasser. Il est réparé. Et regardez comme la poignée en est bien garnie. Nous n'entendrons plus sur Jeanne de la divine enfance crier en soufflant sur ses doigts « C'est-il possible de repasser avec un fer pareil ?» C'est-il. Je me forge chaque fois la langue pour ne pas rire, mais je suis si contente. Si c'est-il me rappelle la... Constance, je n'avais pas honte de parler ainsi alors que notre mère est à la mort. Oh mon Dieu, ma sœur. Au Carmel, la mort n'est après tout qu'une cérémonie comme une autre. La dernière, c'est tout, avant les grandes processions du paradis. Vous n'avez jamais craint la mort? La vie d'un tout de suite paru si amusant. Ne craignez-vous pas que Dieu ne se lasse de tant de bonne humeur et ne vienne un jour vous dire comme à Saint-Angèle de Foligno's, ce n'est pas pour rire, moi, que je t'ai aimée. Sœur Blanche, je ne peux m'empêcher de croire que vous venez exprès de me faire du mal. Ne vous trompez pas, c'est que je vous enviais. Vous m'enviez? Par exemple, vous m'enviez alors que je mériterais d'être fouettée pour avoir parlé si légèrement de la mort de notre révérende mère. Sœur Blanche, mettons-nous à genoux et offrons nos deux pauvres vies pour celle de sa révérence. Mais qu'ai-je à faire dans cette comédie? Laissez ce qui est ridicule et répondez-moi, je vous prie. Sœur Blanche, vous voilà maintenant si fâchée contre moi. Comment pouvez-vous croire que notre vie puisse racheter la vie de qui que ce soit? Vous êtes orgueilleuse comme un démon. Et je vous défends! Je vous défends! Vous êtes trop pressée, ma belle. Je ne suis pas morte encore. Calmez-vous, ma mère. Il n'y a pas de cloche qui sonne. Oh. Ce sont mes pauvres oreilles qui battent la générale. Avez-vous convoqué la communauté? La cérémonie dont parle sa révérence peut aisément être retardée. Oui. Jusqu'à ce que je ne sois plus bonne à rien, sans doute. Mais regardez! Regardez! Laisse montrer ce visage à mes filles. Oh,
ma mère, ne vous mettez pas en peine de nous. Ne vous inquiétez plus désormais que de Dieu. Que suis-je à cette heure, moi, misérable, pour m'inquiéter de lui? Qu'il s'inquiète d'abord de moi. Votre révérence délire. Attention, chevaux! Fermez toutes les portes! Vite, vite! Oh, trop tard. Paix, ma mère. Que voulez-vous dire? Paix, paix, êtes-vous aveugle? Ne voyez-vous pas la guerre et le sang partout? Mère Marie. Oui, ma mère. Mère Marie, je viens de voir notre chapelle vide et profanée. L'autel fendu en deux. De la paille et du sang sur les dalles. Ah, Dieu nous délaisse. Dieu nous renonce. Je supplie votre révérence de ne rien dire. Oh, ne rien dire, ne rien dire. Pourquoi ne rien dire? Sœur Elisabeth, fermez la fenêtre. Toujours ne rien dire. N'importe ce que je dis. L'angoisse adhère à ma peau comme un masque de cire. Que ne puis-je l'arracher avec mes ongles? Oh. Prévenez nos sœurs qu'elles ne verront pas la révérende mère aujourd'hui. À 6 heures, récréation comme d'habitude. Non, Mère Marie de l'Incarnation, je vous ordonne. Oh. Sœur Elisabeth, vous n'allez pas vous évanouir comme une femmelette. Mettez-vous à genoux et priez. Il n'y a plus rien d'autre à faire. Votre mère apparut devant Dieu. Sœur Catherine, entonnez le Salve Regina. Je n'aurais jamais cru qu'une élection au Carmel dure si longtemps. Elles doivent délibérer autant qu'à l'Assemblée nationale. C'est une élection difficile. Les choses vont de plus en plus mal pour la religion. Mais moi, je parie pour Mère Marie de l'Incarnation. J'ai tellement prié pour cette intention. Croyez toujours que Dieu fera selon votre bon plaisir. Pourquoi pas? Moi, j'aime autant penser que Mère Marie sera élue parce qu'elle est la plus digne de l'être. Je proclame élue prieur de ce Carmel, Mère Thérèse de Saint-Augustin.
Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Bien soit loué. Dieu soit loué. Sœur Lucie, qui est-ce? Mère Thérèse de Saint-Augustin. Dieu soit loué. Prévenez sa révérence que monsieur le commissaire est là depuis un moment. Il s'impatiente. Sœur Lucie, voici les papiers pour monsieur le commissaire. Dites-lui que notre révérende mère l'attend au parloir. Monsieur le commissaire, je m'excuse de vous avoir fait attendre. Mais une élection est toujours une affaire plus compliquée et plus longue que prévu. Et depuis quand, madame, vote-t-on dans les couvents? Depuis toujours, j'imagine. En tout cas, depuis des siècles. Ce qui prouve que nous sommes moins réactionnaires qu'on le dit. Mon nom est Mère Thérèse de Saint-Augustin. Et vous avez été élue prieure? Mais oui. Je ne m'y attendais pas. N'êtes-vous pas étrangère? Dans nos maisons, il n'y a pas d'étrangères. Nous sommes toutes des sœurs. Bien sûr. Égalité, fraternité et liberté. Nous sommes ici librement. Vous avez maintenant non seulement l'inventaire complet des biens de la communauté, mais aussi des dots de toutes les religieuses. Voulez-vous procéder à quelques vérifications? Non, madame. Je m'en tiens à votre parole et à votre signature. Cependant, mon devoir est de vous dire que vous n'avez que l'usufruit de ces biens qui appartiennent désormais à la nation. Citoyen, portez ces documents à la municipalité. Madame, il semble que dans tout le pays, et dans cette ville même, les braillards et les buveurs de sang tiennent le haut du pavé. Et moi, je n'en suis pas. Alors, rendez-moi la tâche facile. À tort ou à raison, le peuple voit dans les monastères des repères d'accapareurs et de traîtres. Moi-même, je dois exécuter les ordres qui me viennent de Paris. Dans ces conditions, la moindre imprudence de votre part risquerait d'être fatale. Vos recommandations rejoignent mon principal souci. Merci infiniment, monsieur le commissaire. Chevalier de la Force, pouvez-vous me cacher? Entrez vite. On ne vous trouvera pas ici.
Ils me poursuivent depuis une demi-lieue. Vous pourrez dormir ici. Merci, mais je suis pressé. On m'attend à Vermont avant l'aube. Je pars rejoindre l'armée des princes et je désirerais voir ma sœur immédiatement. Je ne suis que l'aumônier. Cette affaire regarde Mère Prieur. Heureusement, l'office de nuit n'est pas terminé. Suivez-moi. Le chevalier de la Force désire voir sa sœur. Il quitte la France. Il ne peut attendre jusqu'à la fin de la nuit. On va nous accuser de servir de refuge. Vous seule, ma mère pouvait prendre une telle décision. Mais il faut la prendre sur le champ. Selon la règle, je n'ai pas le droit de refuser à une religieuse la permission de voir son frère. Surtout si elle risque de ne plus le revoir. Conduisez-le au parloir. Accompagner Sœur Blanche au parloir. Vous m'avez fait peur. Mais que signifie cette visite en pleine nuit? Comment va notre père? Il m'a chargé d'un message pour vous. Il juge que vous n'êtes plus ici en sécurité. Je n'y suis peut-être pas, mais je m'y sens. Cela suffit pour moi. Blanche, nos moments ensemble sont comptés. On ne peut plus défendre le roi que de l'étranger. C'est pourquoi je pars. Ne vous faites aucune illusion. La Révolution n'épargnera rien de ce qu'elle a décidé d'abattre. En somme, chevalier, vous me conseillez de fuir le danger alors que vous-même y courez. Non, je vous prie, ne faites pas l'enfant. Cet habit que vous portez n'est plus une protection, au contraire. Monsieur le chevalier, l'habit de Carmélite est un uniforme sur un champ de bataille. Et le Carmel est une forteresse qui se prépare à subir un assaut furieux. Mais il est vrai, ma fille, que tant que vous n'avez pas prononcé vos vœux, vous êtes libre de nous quitter. Il suffit, ma mère. Je reste. Je voudrais que vous pensiez à moi comme à un compagnon de lutte. Car nous allons combattre, chacun à notre manière. Et la mienne a ses risques et périls comme la vôtre. Eh bien, adieu, ma chérie. Je sais que notre père sera fier de vous. Maintenant, nous n'avons tout ici que le même destin. Qui sait? J'ai été orgueilleuse et je serai punie.
Citoyens, on ne passe pas. Appelez toute la communauté à la chapelle. Mère Marie, il faut nous attendre à une perquisition. Tenez-vous en permanence à la porte de la clôture. Quand ces messieurs de la municipalité viendront, exigez tout d'abord de voir l'ordre de perquisition. N'opposez aucune résistance, mais ne le lâchez pas d'un pas. Dieu soit loué, monsieur de la force est loin. Révérende mère, sœur Blanche n'est pas là. Allez voir dans sa cellule. Si elle est fatiguée, dites-lui que je l'autorise à se reposer. Seigneur, mettez votre voile. Seigneur, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Père céleste qui êtes Dieu. Ayez pitié de nous. Fils rédempteur du monde qui êtes Dieu. Ayez pitié de nous. Esprit Saint qui êtes Dieu. Ayez pitié de nous. Sainte Marie. Priez pour nous. Sainte Mère de Dieu. Priez pour nous. Saint Michel. Priez pour nous. Saint Gabriel. Priez pour nous. Saint Étienne. Priez pour nous. Saint Laurent. Priez pour nous. Saint Vincent. Priez pour nous. Saint Sylvestre. Priez pour nous. Saint Grégoire. Priez pour nous. Saint Ambroise, priez pour nous. Les saints patriarches, priez pour nous. Les saints prophètes, priez pour nous. Saint Pierre, priez pour nous. Quelle est cette personne? Je voudrais bien qu'on en finisse avec cette mascarade. Enlevez votre voile, sœur Constance. Jeune citoyenne, depuis combien de temps êtes-vous enfermée dans cette maison? Je suis très heureuse d'être dans cette maison. Je m'y sens comme chez moi. Et je ne me considère pas enfermée, monsieur le commissaire. Et pourquoi acceptez-vous de vivre derrière des grilles? Pour connaître Dieu, l'aimer, le servir, et mériter ainsi le bonheur éternel, monsieur le commissaire. Oui. Je vois qu'elle sait sa leçon par cœur. Mais nos renseignements sont sûrs. Cette maison a donné refuge cette nuit à un suspect. Il doit bien se trouver quelque part. Citoyenne, je vous somme de me dire depuis combien de temps cette jeune personne est séquestrée ici. Je pense, monsieur, que vous devez le lui demander vous-même. Il semble qu'elle ait perdu l'usage de la parole. Ne croyez-vous pas que monsieur l'a terrorisée en entrant? Cette jeune citoyenne s'expliquera tout à l'heure devant la municipalité. Un ordre de perquisition ne saurait vous donner aucun droit sur les personnes. Cette jeune fille ne sortira d'ici que de son plein gré. Sœur Blanche. Je vous défends de continuer. Je représente ici la révérende prieure et je n'ai pas d'ordre à recevoir de vous. Citoyen commissaire, rappelez-lui que la nation dispose d'une machine à couper le sifflet. Ça suffit. Jeune citoyenne, dites un seul mot et vous serez hors du pouvoir de celles qui n'ont pas craint d'usurper jusqu'au nom de maire. Pour mieux vous assujettir, sans doute. Ne craignez rien.
Vous êtes désormais sous la protection de la loi. Elle est d'abord sous la mienne. Je ne vous permettrai pas plus longtemps d'abuser de la terreur d'une enfant. Sachez aussi, monsieur, que chez la plus pauvre fille du Carmel, l'honneur parle plus haut que la crainte. J'en rendrai compte à la municipalité. C'est à votre conscience, monsieur, que vous aurez des comptes à rendre. Aussi longtemps qu'il y aura des êtres tels que vous, il n'y aura pas de salut pour les patriotes. Cette maison est une Bastille. Et nous la détruirons. Comme l'autre. Ne manquez pas aussi de nous détruire jusqu'à la dernière. Là où il y a une fille de Sainte-Thérèse, il y a un Carmel. Suivez-moi, citoyen. Quel imbécile je suis! Cette femme bavarde pour nous faire oublier notre mission. J'ai compris où se cache le fugitif. Où donc, citoyen commissaire? Toutes ces filles portent de grands voiles. Eh bien, le suspect est certainement parmi elles, recouvert lui aussi d'un voile, et récitant des patenôtres. Une mort subite et imprévue. Les pièges du démon. De la colère et de la haine. Au nom de la loi, je vous ordonne à toutes d'enlever vos voiles et de me regarder à visage découvert. J'ai dit, enlevez vos voiles. Mes filles, enlevez vos voiles. Enlevez votre voile, sergent. Mes filles attendaient dans le cloître. Je vous demande de voter pour décider si elles doivent être admises à prononcer leurs vœux ou être renvoyées dans le monde. Les nouvelles lois françaises interdisent formellement les vœux monastiques. Les faire prononcer par deux novices sera comme un défi. Je n'ai l'intention de défier personne. Je fais tout mon possible pour nous concilier, monsieur le commissaire, mais je n'irai pas jusqu'à lui demander la permission d'observer la règle. Cette cérémonie sera clandestine, toute porte fermée. Pour sœur Constance, il n'y a pas de problème. Pour sœur Blanche, c'est plus douteux. C'est mon avis. Sœur Blanche s'est réfugiée ici pour que la règle la protège et la garde, alors que c'est à nous de garder la règle. Votre révérende mère, c'est en mon nom que je supplie le conseil en faveur de Sœur Blanche de l'agonie du Christ. Je connais les dangers de son caractère, mais je croirais manquer à la parole donnée à une morte si nous la rejetions et que je ne puisse plus veiller sur elle. Passons aux voix. Trois voix contre. Il faut aller chercher Sœur Blanche de l'Armée du Christ. J'y vais, ma mère. Sœur Blanche. Ni vous ni nous n'espérons plus que vous arriverez à surmonter votre angoisse mortelle.
Le conseil a décidé de vous remettre à la protection de monsieur votre père. Sans doute en d'autres temps, ou même plus tard, qui sait. Répondez-moi franchement. Pensez-vous que je vous fasse tort en vous renvoyant dans le monde? Bien oui, vous me faites tort. C'est vrai, je n'espère plus surmonter ma faiblesse. Non, je ne l'espère plus. Mais cette maison est bien le seul lieu au monde où je puisse espérer l'offrir à notre Seigneur. Comme un infirme, ses plaies honteuses. Car enfin, ma mère, Dieu m'a peut-être voulu lâche, comme il en a voulu d'autres bonnes ou stupides. Eh bien, soit. Sœur Blanche de l'agonie du Christ, restez carmélite. Je ne vous abandonnerai jamais. Vous m'entendez? Jamais. Faites à Dieu le sacrifice de la gloire. Est-ce de votre propre volonté et de votre propre mouvement que vous prononcez le vœu solennel? Oui. Voulez-vous persévérer dans l'ordre jusqu'à la mort? Oui. Et pour le seul amour de notre Seigneur? Oui, avec la grâce de Dieu et la prière de mes sœurs. Que Dieu, qui vous a guidé jusqu'à nous, vous soutienne jusqu'au terme. Faites à Dieu le sacrifice de la gloire. Je dois, non pas vous quitter, mais me cacher. J'ai refusé de prêter serment à la Constitution. Je suis proscrit. Enfin, ils disent hors la loi. Mais si un poisson ne peut vivre hors de l'eau, un chrétien peut très bien vivre hors la loi. Nous en sommes quittes pour prendre quelques précautions. André nous servira d'agent de liaison. Dans les affaires du monde, lorsque tout espoir de conciliation est perdu, la force est le suprême recours. Dans les affaires de Dieu, la suprême ressource est dans le sacrifice des âmes consacrées. Priez pour moi. Ma mère, priez pour moi. L'inquiétude ne vous coupe pas l'appétit, sœur Constance. C'est la quatrième pomme que je vois manger. Mais avec ça, mon panier ne se remplit guère. Mais qu'avons-nous besoin de tant de provisions? Nous serons peut-être mortes avant que ces fruits soient gâtés. Mais si nous ne mourions pas du tout, je n'ai pas très grande envie de mourir, sœur Constance. Oh, moi non plus. Mais si nous nous en remettons au bon Dieu pour savoir si nous vivrons ou non, à quoi bon nous préoccuper de ce que nous mangerons? Jamais nous ne trouverons meilleure occasion d'être un peu gourmandes.
Voilà une étrange façon de vous préparer au martyr. Très sage, au contraire. Avant d'affronter les lions dans l'arène pour être mangé, je veux au moins manger à ma faim. Bravo, Sœur Constance. Les lions vous en seront très obligés. Leur repas à eux n'en sera que meilleur. Oh, des soldats! Venez vite voir, Sœur Anne de Jésus. Ce doit être un chant nouveau, je ne l'ai jamais entendu. C'est un chant terrible. Oh oui, mais c'est magnifique. Descendez tout de suite de cette échelle. Vous avez violé la clôture. Pardon, ma mère. Qu'est-ce qui vous a pris? J'ai eu une idée folle, ma mère. J'ai un frère soldat dans l'armée nationale. J'ai bêtement cru qu'il était peut-être dans ce défilé et que je le verrais. Mais vous, Sœur Constance? Au moins, ma mère, j'ai pas pu résister. J'aime les soldats. Je suis heureuse de votre visite, monsieur le commissaire, qui me donne l'occasion de protester directement auprès de vous. Protester, madame? Et pourquoi? Parce que vous nous enlevez notre aumônier. C'est ridicule de penser qu'un homme aussi pacifique que lui puisse être considéré comme dangereux et mis hors la loi. Madame, j'ai bien peur que vous compreniez mal votre propre situation. En quel danger vous êtes? Que faisons-nous de mal? Il ne s'agit pas du mal que vous faites. Il s'agit du mal qu'on vous attribue. Vous ne savez pas que les Prussiens marchent sur Verdun. Ils seront peut-être ici dans 2 jours, dans 5 à Paris. Partout on lève en hâte des armées de volontaires, que le peuple se croit trahi. Il voit des suspects partout. Non. Et depuis dimanche, à Paris, on massacre dans les prisons. Dieu. Êtes-vous sûr? Certain. Est-ce que vous avez chez vous une jeune personne qu'on appelle Sœur Anne de Jésus? Oui. Que lui veut-on? Elle avait un frère dans l'armée du Rhin. Il a été tué à l'ennemi. On a trouvé sur son corps une lettre pour sa sœur. C'est ainsi que j'ai été prévenu. Comprendrez-vous enfin, monsieur le commissaire, que nous sommes de bonnes patriotes. Nous voulons la paix et la protection de la loi. Non, madame, s'il ne s'agissait que de cela. Et de quoi s'agit-il? Lorsque tout va mal dans le pays, il faut bien que ce soit la faute de quelqu'un. Alors, pourquoi pas la vôtre?
Mes filles, la mort qui coupe et tranche les affections est toujours une chose cruelle. La mort violente, et surtout la mort reçue de main d'homme, est plus cruelle encore. Notre pays est en proie en même temps à l'invasion et à la guerre civile. Par nos parents, nous sommes dans les deux camps. Tels d'entre nous ont des frères et des cousins émigrés combattant dans l'armée des princes. Tels autres ont des parents dans les armées nationales. Les hommes se battent. Ne condamnons aucun d'entre eux. Nous ne sommes pas des juges, nous sommes des suppliantes. Ne laissons pas la guerre civile entrer dans nos cœurs. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Sur la place de l'église, ils sont furieux. Le boulanger Thibault a été dénoncé. Mère, rassemblez tout le monde à la chapelle. Ne craignez rien, vous allez rester avec nous. Et monsieur de Monnier? Ils l'ont pas trouvé, il avait quitté sa cachette juste avant la perquisition. Mais ils ont arrêté le boulanger. Et quand ils m'ont vu arriver pour chercher mon pain, ça les a rendus furieux. Permettez, j'irai moi-même attendre à la porte et leur parler. Non, ma fille, on ne parle pas sans une foule de chaleur. Quand on envahit et pille les églises et les couvents. Cela se vit bien des fois au cours de guerre. Depuis plus de 20 ans, vous n'avez jamais mis le pied hors de cette maison et maintenant vous partez pour Paris.
Savez-vous seulement si vous reviendrez? Franchement, nous craignons pour la vie de votre révérence. Il faut bien que quelqu'un sorte en éclaireur. Ici, je sens l'étau se resserrer un peu plus chaque jour sur nous. Dans une grande ville, un groupe de 17 femmes passera facilement inaperçu. Pourquoi ne pas prendre jusqu'au bout le risque de notre vocation? Pourquoi ne pas rester jusqu'au bout dans notre maison avec notre habit, vivant selon notre sainte règle, et mourir s'il le faut en carmélite? Mère Marie, ce que j'essaie de protéger, c'est les carmels. Que servirait de périr toutes si avec nous les carmels périssaient? Allons, je vais dire au revoir à mes filles. Attention, sœur Constance, vous allez griller Saint-Denis. Vous ne trouvez pas que c'est déjà suffisant qu'on lui ait coupé la tête? Ce serait dommage. Il est si gentil avec sa tête mitrée dans ses mains. C'est intolérable. Enfin, pourquoi représenter notre grande Sainte Thérèse avec une épée au travers du cœur? La fondatrice du Carmel est morte tranquillement dans son lit, que je sache. Sœur Blanche, pourquoi êtes-vous si choquée? C'est un symbole. Sainte Thérèse est morte d'amour pour Dieu. Voilà pourquoi c'est un ange qui tient l'épée. Je n'aime pas l'idée que Dieu envoie ses anges pour assassiner ceux qu'il aime. Dieu a bien envoyé son propre fils à l'horrible sacrifice de la croix. Et depuis ce premier vendredi saint, il n'y a pas de plus grand honneur pour un chrétien que d'être mené au supplice comme le Christ. Vous avez très bien dit, ma mère. C'est un honneur. Et ce n'est pas à nous, carmélites, de courir après les honneurs, même celui-là. Lorsqu'un grand roi, devant toute sa cour, fait signe à la servante de venir s'asseoir près de lui, sur le trône de sa gloire, il est préférable qu'elle n'en croie d'abord ni ses yeux ni ses oreilles et qu'elle continue de frotter le meuble. En mon absence, c'est Mère Marie qui garde toute ma confiance et mon autorité. Obéissez-lui comme à moi-même. Ma mère, revenez vite parmi nous. Je l'espère de tout cœur. Dieu vous aide, ma fille. Qu'est-ce que c'est? C'est André. Monsieur l'aumônier a trouvé une nouvelle cachette. Il vous fait dire qu'il célébrera l'office du Vendredi Saint demain soir à minuit dans la grange d'Albepierre. Bien, mon petit. Toutes les précautions sont prises. Et on vous attendra pour vous conduire par groupe de deux ou trois. Merci. Bonsoir, ma mère. À demain. À demain. Impétueusement sur lui,
Les soldats s'en saisirent avec une rage et une fureur inouïe. Ces barbares, le voyant en leur pouvoir, déchargèrent sur lui toute leur fureur. C'est curieux. Nous sommes entrés ensemble au Carmel. J'ai choisi le nom d'un martyr, mais le vôtre est plus beau. C'est celui du martyr même de notre Seigneur. C'est un peu votre fête aujourd'hui. Sœur Blanche, nous ne nous quitterons plus. Sœur Constance, il me semble que je peux vous parler plus facilement dans la nuit. Moi aussi, j'aimerais ne jamais être séparée de vous. Mais j'ai peur. J'ai honte d'avoir si peur. Mais peur de quoi, ma sœur? Peur de la mort. Peur de ce qu'il y a après la mort. Un jour, vous m'avez dit, la peur est une fantasmagorie du démon dont Dieu peut nous délivrer. Je pense quelquefois qu'il ne veut pas m'en délivrer. Mais comment pouvez-vous penser que Dieu ne vous aime pas? Mais votre nom et tout ce que vous êtes doivent lui rappeler ce moment terrible où son fils lui-même s'est cru abandonné. Venez. La nuit dernière, vous avez assisté à une réunion clandestine sous la direction d'un prêtre réfractaire poursuivi par la loi. Dans la grange d'Albepierre, pour plus de précision. Répondez, oui ou non? Oui. Je prends l'entière responsabilité de cette réunion. C'est moi qui l'ai organisée. Et toutes mes sœurs ici n'ont fait que m'obéir. Suffit. Toutes vous avez désobéi à la loi. Toutes vous êtes exposées à en subir les rigueurs. Nous sommes allés en la nuit du Vendredi Saint vénérer la croix où notre maître a subi le martyre. Que pourrait-il nous arriver de mieux que d'en souffrir, ou même d'en mourir? En des temps comme celui-ci, mourir n'est rien. Vivre n'est rien, c'est cela que vous voulez dire. Car il n'est plus que la mort qui compte. Lorsque la vie est dévaluée par la peur jusqu'au ridicule et n'a pas plus de prix que vos assignats. Ces paroles pourraient vous coûter cher. Je doute que toutes vos compagnes approuvent votre insolence. Que dit monsieur? Je demande si vous êtes toutes d'accord pour désobéir à la loi et insulter un représentant du peuple. Monsieur doit savoir que rien ne peut nous séparer de notre mère. C'est à elle que nous devons obéir.
C'est ce que nous verrons. Primo, vous avez 24 heures pour rassembler vos affaires et vous procurer des vêtements autres que ces vêtements ridicules. Secondo, demain matin, vous devez avoir quitté ces lieux. Cette maison sera occupée par les soldats. Tertio, toute vie de communauté vous est désormais interdite et tout contact avec les prêtres réfractaires. Il vous est interdit de vivre à plus de 2 ou 3 dans la même maison. Vous viendrez à la municipalité qui inscrira vos noms et vos nouveaux domiciles. Si ça ne suffit pas, la stricte application des lois saura bien venir à bout de votre obstination et de votre fanatisme. Régime impie qui prétend supprimer la religion et disperser les monastères. Je pense que la communauté tout entière devrait répondre en prononçant solennellement le vœu du martyr. Pour que la France reste chrétienne, les filles du Carmel n'ont plus à donner que leur sang. Qu'en pensez-vous, mes sœurs? L'inconvénient de ces vœux exceptionnels, c'est qu'ils risquent de diviser les esprits et même d'opposer les consciences. Et cela juste au moment où nous voulons affirmer l'union de notre communauté. L'opposition d'une seule d'entre vous me ferait renoncer à ce vœu. Pourquoi ne pas en décider par un vote secret? Sœur Anne de Jésus. Gageons qu'il y aura au moins une voix contre. Il y a une boule noire. Oublions ce vœu du martyr. Il s'agit de moi. Voilà ma boule blanche. Mais je me déclare maintenant d'accord avec toutes. Et je désire, je voudrais que vous m'aissiez prononcer ce vœu. Je vous en supplie. Au nom du bon Dieu. C'est un signe de Dieu que nous soyons toutes d'accord. Moi, Constance de Saint-Denis, je fais le vœu du martyr. Je promets solennellement à Dieu d'imiter jusqu'au bout son fils dans sa sainte passion, sans me défendre ou fuir, offrant volontiers mon sang s'il le faut, pour l'honneur du Carmel, l'exaltation de l'Église, le salut du monde. Moi, Blanche de l'agonie du Christ, je fais le vœu du martyr. Je promets solennellement à Dieu d'imiter jusqu'au bout son fils dans sa sainte passion, sans me défendre ni fuir, offrant volontiers mon sang s'il le faut, pour l'honneur du Carmel, l'exaltation de l'Église et le salut du monde. Voici la liste des chambres. Et les adresses. Vous répartirez vous-même les sœurs par groupe. Dès le lever du jour, quelques voitures viendront pour vous aider à transporter l'indispensable. On vous procurera encore quelques vêtements civils. Blanche, à
Après ce vœu que nous venons de prononcer, Dieu nous tient ensemble et pour toujours. Je sais que nous allons... Savez-vous que nous allons mourir bientôt. Ne touchez pas. Sœur Blanche, qu'y a-t-il? Ne touchez pas. J'ai menti à Dieu. Je n'espérais plus vous revoir, du moins en ce monde. Je ne vous blâme pas, mais... Sœur Blanche n'est pas parmi nous. Allez, je vous rejoins à l'hôtel des villes. Du nouvel aménagement des locaux. C'est tout? Il manque la citoyenne Lidoine. Il manque la citoyenne Lidoine. Mère Prieur sera là dans quelques minutes. Et la citoyenne Laforce. La citoyenne Laforce. N'est-ce pas cette jeune personne que vous appeliez Sœur Blanche de l'agonie du Christ? Le diable n'est pas parmi vous. Qu'est-elle devenue? Vous qui parlez si bien. Répondez, citoyenne. Vous ne répondez pas. Bien, c'est moi qui vais vous donner des nouvelles. Citoyenne, vous êtes libre. Vous pouvez rejoindre celle que vous appeliez vos sœurs. Vous allez à Paris chez votre père. Voici pour cela de l'argent. Un sauf-conduit. Citoyen Montrelais. Citoyenne des vêtements plus décents. Mère curée de Saint-Augustin, prieur du Carmel. Citoyen commissaire, tout est en règle. Citoyenne, vous pouvez disposer. Que s'est-il passé? Le commissaire lui a donné le moyen de rejoindre son père à Paris. Son père a été arrêté il y a 10 jours et il est en prison. Que faut-il faire? Elle n'a plus que nous au monde. Je ne songe pas à l'abandonner. Mmh.
Laissez-moi, Thierry. Thierry. Calmez-vous, mademoiselle. Mais il faut que vous veniez avec nous tout de suite. Avec cet homme? Oui, c'est urgent. Hier, ils n'ont fait grâce à personne. Il vous faudra faire comme on vous dira. Citoyenne, Thierry a raison, pressons-nous. Le ci-devant marquis de la Force. Mon ami. Le ci-devant marquis de la Force. Oui, oui, mon brave. Citoyen juge, la jeune et intéressante personne qui m'accompagne est la fille du ci-devant. La République vient de l'arracher des mains des prêtres. Elle l'avait enlevée à son père pour l'enfouir à jamais dans les geôles du fanatisme. La petite citoyenne a renoncé à jamais à la superstition. Elle a voué une haine éternelle aux aristocrates et aux tyrans. Elle proclame son dévouement à la nation et à la République. Elle est venue ici pour remercier ses protecteurs et ses libérateurs. Blanche, cet homme qui vous accompagne, parle-t-il en votre nom? Et a-t-il dit la vérité? Mon père, il en a menti. Révérende mère qui m'a envoyé vous chercher quand nous avons su que votre père était en prison. Il n'est plus en prison. Votre père est libre? Il est mort. Ils l'ont guillotiné. Ma pauvre enfant, vous ne pouvez rester ici toute seule. Venez avec nous. Dire que j'y serai plus en sécurité. Vous y courez moins de risques qu'ici. Je puis vous croire. Qui penserait à me chercher ici? Je ne fais de mal à personne. Je ne veux pas qu'on me fasse. Laissez-moi. Vous me faites peur. Partez. Sœur Blanche de l'agonie du Christ. Oui, ma mère. Que dois-je dire à notre prieur? Que je ne l'oublie pas. Sœur Blanche, écoutez-moi bien. Je vais vous donner une adresse. Retenez-la. Mademoiselle Rose Ducor, théâtre du Palais Royal. Elle est prévenue. Vous serez chez elle en sûreté. Je vous attends là. Je n'irai pas. Je ne veux pas y aller. Vous viendrez. Je sais que vous nous rejoindrez, ma sœur. Thank you.
Il faut que je voie Mademoiselle Rose Ducamp immédiatement. Si vous l'attendez là, vous la verrez sûrement. Elle ne va pas tarder. Encore ici, mon pauvre Baptiste. Tu n'as pas honte de tourner en dérision une mort aussi horrible? On nous doit rire de crainte d'être obligé d'en pleurer. Oh, Baptiste, quand cesseras-tu de faire le pitre à propos de tout? Quelqu'un vous a demandé et vous attend là. Rose! Mais Rose, vite, nous sommes en retard. J'ai tout le temps. Je voudrais voir la fin de son numéro. La légèreté, mesdames, de la légèreté. Je suis Blanche de la Force. Oui. Quand j'entrerai au théâtre, suivez-moi jusqu'à ma loge. Jusqu'à la porte de mon théâtre, et tu voudrais encore que je te paie? Oui, la du corps, paie en louis d'or. Tiens-toi à la porte et empêche quiconque d'entrer, même les habilleuses. J'en ai pour 10 minutes. On ne passe pas. Il faut que je voie Mère Marie de l'Incarnation. Elle est là. Mère Marie. Ma mère. Toutes nos sœurs ont été arrêtées et conduites à Paris pour être jugées. Sœur Blanche, il nous faut aller tout de suite. Oh, ma mère, s'il y a un moyen de les sauver, il me semble que maintenant j'aurai le courage de tout affronter. Il ne s'agit pas de les sauver. Il faut accomplir avec elles le vœu du martyr que nous avons fait librement. Nous les laisserions mourir sans rien tenter pour elles. Ce qui importe, c'est de ne pas les laisser mourir sans nous. Qu'ont-elles besoin de nous pour mourir? Mourir, mourir. Vous n'avez plus que ce mot à la bouche. Mais en aurez-vous jamais assez de l'horreur et du sang répandu? Il n'est d'horreur que dans le crime, ma fille. Mais je ne veux pas qu'elle meure. Et je ne veux pas mourir. Oh, j'ai dormi sous la lucarne et voilà maintenant que j'ai le torticolis. Oh, mon pauvre cou est... Oh, sœur Constance. Oh, excusez-moi, ma sœur, j'étais vraiment à 100 lieues de penser oh, à... Oh, taisez-vous, sœur Constance. Aïe. Allons, ma fille. Voici que s'achève notre première nuit en prison. C'était la plus difficile.
nous en sommes venus au bout quand même. Au gris même, nous étions accoutumés. Nul ne saurait nous ravir une liberté dont nous nous sommes depuis longtemps dépouillés. En tout cas, devant le tribunal, qu'il vous suffise de répondre à toutes les questions, je n'ai jamais fait qu'obéir à mes supérieurs. Tel est mon ordre formel. J'ai toujours répondu de vous en ce monde comme devant Dieu. Avec votre révérence, nous n'avons jamais peur de rien. Soyez tranquille. Je ferai de mon mieux pour vos vies et vos âmes. Citoyenne, avez-vous quelque chose à dire? Nous sommes les servantes de Dieu. La République n'a pas besoin de servantes. Moi, je suis le gardien de l'âme de la patrie. Mais vous, qui ne reconnaissez pas l'autorité des lois, vous portez atteinte à la cité. Nous sommes aussi citoyennes d'une autre cité. C'est une de trop. Bien heureuse encore d'avoir trouvé dans cette patrie que vous avez trahi un tribunal pour vous entendre et vous juger. Et ce soir, une tombe pour vous recueillir. Pour avoir formé des conciliabules contre-révolutionnaires, pour avoir entretenu des correspondances fanatiques, hébergé des prêtres réfractaires et des émigrés, conserver des écrits liberticides, sont condamnés à la peine de mort, fait le 28 de Messidor an 2 de la République. Qu'a dit monsieur? Que nous sommes condamnés à mort. Toutes? Oui, toutes. Même Mère Marie de l'Incarnation qui n'est pas là. Sentence exécutoire immédiatement. Que Dieu nous accueille en son sein. Qui sait s'il vous reconnaîtra pour sienne? Nous avons cette confiance, car nous n'avons pas voulu l'offenser. Pour le reste, qu'il nous pardonne nos péchés, comme nous vous pardonnons, mon fils. Citoyen président, je vous demande de lever la séance. La séance est levée. Mes filles, nous voilà au terme. Il ne s'agit plus que de mourir. Dieu nous appelle au trône de sa gloire. L'heure est venue d'accomplir ce vœu du martyr que vous avez fait si généreusement et que Dieu exauce aujourd'hui. À moi-même qui ne l'ai pas fait, il m'en est donné une part. Dieu soit remercié. Qui ne permet pas que la mère soit séparée de ses filles dans la mort. Encore cette part, je devrais la revendiquer humblement au nom de nos deux sœurs, Marie de l'Incarnation et Blanche de l'Agonie du Christ. C'est de leur part que je dispose, quoique indigne. Mes filles, une dernière fois, une fois pour toutes, je vous mets solennellement dans l'obéissance. Salut Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes.
Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. La ci-devant, sœur Gabrielle. La ci-devant, sœur Saint-Louis. Assis devant sœur Jeanne de la Divine Enfance. L'assis devant sœur Jeanne de la Divine Enfance. Devant sœur Lucie. Je savais que vous viendriez. Vous êtes folle. N'allez pas plus loin. Je ne veux pas les laisser mourir sans moi. Qu'importe votre volonté dans cette affaire. Dieu choisit et réserve qui lui plaît. C'est moi qui ai entraîné mes sœurs vers la mort. Si elles meurent sans moi, je suis déshonorée. Assez. Pour qui vous prenez-vous? Ce n'est pas pour vous que vos sœurs sont en train de mourir. C'est pour Dieu. Que me reste-t-il en ce monde? Carmel, vous le continuerez seul. Comme Dieu est dur. Suivez-moi et répétez ce que je vais dire. Notre Père qui êtes aux cieux. Notre Père qui êtes aux cieux. Que votre nom soit sanctifié. Que votre nom soit sanctifié. Que votre règne arrive. Que votre règne arrive. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que votre volonté soit faite.
Que votre volonté soit faite. Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ci-devant, sœur Anne de Jésus. La ci-devant, sœur Constance. Ci-devant, Mère Marie de l'Incarnation. Deo Patris et Gloria, et Filio Quia Mortuis. La ci-devant prière du Carmel de Compiègne.